Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Le message à venir est dédié aux personnes éveillées, aux poètes, philosophes, ainsi qu'à tous ceux pouvant encore utiliser leur propre conscience, détachée de la pensée unique. Nous avons participé activement à la résistance personnelle, en partageant nos idées et notre combat aux personnes qui nous sont proches. Certains, artisans de la vérité, ont osé combattre les préjugés sur notre mouvement, délivré par les médias. Pour ce 5 novembre, nous allons tenter d'aller plus loin. La suite de ce message concerne seulement les personnes motivées, conscientes de l'enjeu, et qui partagent pleinement l'esprit de révolte. Donner un lieu précis pour le déroulement de nos actions serait rendre plus simple le fichage et l'arrestation de chaque citoyen révolté. Si certains préfèrent malgré tout être légal dans leur action et faire une marche, vous pouvez toujours essayer d'organiser cela pour votre ville. Nous recommandons donc à chaque personne d'agir par petits groupes afin de permettre des actions de placardage rapides et discrètes dans la nuit du 5 novembre. L'objectif sera d'informer la population sur la manipulation actuelle, l'enjeu de notre avenir prisonnier des banques, ainsi que sur le fichage par vidéosurveillance et l'ultra-sécurisation de notre société. Aujourd'hui, il est difficile de déclarer au gouvernement une manifestation contre son propre gouvernement. Le faire serait compromettre la sécurité des concitoyens et participants, les rendant ainsi vulnérables aux arrestations. C'est pourquoi, dans la difficulté de l'organisation, mais la nécessité de l'action, nous appelons à l'initiative personnelle et à la créativité de chacun. Pour cette journée de désobéissance civile, faites des actions qui mènent à la réflexion, mais ne participez et ne cautionnez aucun acte de vandalisme. Nous le répétons, tout acte de vandalisme ou de violence quelconque ne sera aucunement approuvé par notre mouvement. Néanmoins, la neutralisation des armes de vidéosurveillance, jugée nuisible dans certains endroits, peut être une action pour la liberté et la vie privée des concitoyens. L'objectif de cette journée est d'informer, de partager sa connaissance et d'agir en conséquence. Planifiez des actions rapides et efficaces. Si vous ne vous sentez pas prêt, ne participez pas. Voici quelques idées d'actions que vous pouvez réaliser. Pour le placardage des affiches ou des messages, privilégiez une colle simple et écologique, par exemple mélanger de la farine et de l'eau. Une ou plusieurs affiches sont disponibles dans la description de la vidéo. Sinon, si vous préférez vos réalisations, prenez les vôtres. Pour l'éveil des consciences, écrivez ce que vous avez dans le cœur, exprimez-vous sur le sol de vos villes, sur les murs de vos rues. N'utilisez pas de produits dégradants, car certaines personnes qui ne seront pas prêtes à vous écouter, voudront effacer. Il nous faut leur laisser ce choix, symbole de leur liberté. Pour cette opération, l'utilisation de craie est recommandée, pour écrire des messages révolutionnaires, des citations ou encore des réflexions. Qu'en ce 5 novembre, votre main écrive ce que votre cœur veut dire. Que vos actions fleurissent avant que la raison ne périsse. N'écrivez pas pour insulter mais informez pour réveiller. Avant toute révolution, n'oubliez pas que la vraie révolution commence par se changer soi-même, puis par informer par la graine que l'on sème. Que ce 5 novembre reflète la souffrance d'un peuple maltraité par l'élite et les marchés, par la banque et ses projets. Que ce 5 novembre soit l'expression d'un peuple qui a osé parler, osé écrire et osé dire ce que d'autres veulent cacher. Écrivez et signez Anonymous, car Anonymous c'est vous, Anonymous c'est nous. Nous pouvons faire la différence, regagner espoir. Quand la nuit du 5 novembre sera passée, quand l'aube se lèvera, peut-être certains prendront le temps de lire ce que vous aurez écrit. Peut-être, certains s'arrêteront sur leur chemin quotidien du travail, peut-être que ce que vous aurez écrit va toucher cette personne. Dans notre société où l'individualisme grandit, n'importe quelles actions ou écritures qui parlent de solidarité peut faire basculer la vie d'une personne. Debout la main tendue, malgré tous nos ennuis, pour bien être à l'affût, éclairé dans la nuit. Chacun est une lumière, dans notre monde si sombre, où sortir de l'enfer est éclaircir son ombre. Et si le changement, la vraie révolution, ne serait pas l'instant de notre dévolution.
Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas aux banksters. Nous n'oublions pas leurs injustices. Dirigeants du monde entier, attendez-vous à nous.